fiscale, comme ils le disent, hein, puisque là c'est légal, qui représente à peu près 60 milliards d'euros chaque année qui ne vont pas dans les caisses d'État et qui en fait sont dans les paradis fiscaux, aussi les îles Caïmans. Donc voilà, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'était aussi pour signaler que John Palais va être mis en. Donc va passer au tribunal pour une opération qu'on avait fait il y a 6 mois en arrière. Donc on avait fait une réquisition des chaises. Et donc c'est la première fois qu'une ONG en fait, se fait comment, mettre au tribunal pour ce genre de choses. Surtout qu'on avait rendu les chaises à Paris pendant la COP21. Bien madame, oui, il existe effectivement plusieurs paradis fiscaux, comme je vais en citer quelques-uns, l'État du Delaware aux États-Unis, le Luxembourg, les îles Caïmans, la City de Londres, Hong Kong, l'Irlande, les Bermudes, Singapour, la Belgique, la Suisse, pour les plus connus. Mais il y en a de nombreux autres, beaucoup moins connus. Toutefois, j'attire votre attention sur le fait que les comptes bancaires en Suisse, qui avaient très très bonne réputation, sont désormais beaucoup moins attrayants depuis que ce pays s'est aligné sur les standards de l'OCDE. On peut aussi rappeler que cette année, l'action des faucheurs de chaises a permis la fermeture de 3 filiales de la BNP aux îles Caïmans. Vous avez raison, madame, de dire que c'est que la BNP est leader. C'est bien pour ça que nous sommes tous là ici aujourd'hui, d'ailleurs. En 2014, la BNP détenait 200 filiales dans des paradis fiscaux. Je vais travailler un petit peu ça. Bien, chère madame, vous êtes au bon endroit. La BNP est le leader en France dans ce domaine. Mais où est-ce que vous allez tous là? 178 agents classés. Vous avez l'air bien riche. Putain, je suis tombé dans une million riche là. C'est pour cela que. Comme vous le savez, ces agences sont dédiées à la gestion patrimoniale d'une clientèle d'entrepreneurs et de particuliers. La BNP n'est pas là pour faire du social. Il s'agit juste de profiter des avantages fiscaux des pays concernés afin de vous reverser davantage de dividendes très avantageux. Pour info, l'an dernier, Attac et les Amis de la Terre ont réquisitionné plus de 200 chaises dans les agences bancaires, dont la BNP, HSBC, etc., dont deux à Chambéry, ont dénoncé l'évasion fiscale et alerté sur les mesures à financer pour le climat. Elles se sont ensuite baladées un peu partout en France. Pour finir, les chaises ont été vendues lors du début du procès de M. Cahuzac. Et aujourd'hui, nous n'empruntons pas de chaises. Mais nous en apportons pour des invités de marque qui apparemment, sans doute futurs clients, ont plein d'argent à déposer à la BNP. Je vois que vous avez beaucoup d'argent à déposer, donc... Vous pourriez m'en dire plus, peut-être. Bien madame, oui, il existe effectivement plusieurs paradis fiscaux, comme, je vais en citer quelques-uns, l'État du Delaware aux États-Unis, le Luxembourg, les îles Caïmans, la City de Londres, Hong Kong... L'Irlande, les Bermudes... L'immigration fiscale, par exemple, comme la pratique des personnalités comme Depardieu, Bernard Arnault, LVMH, ces malheureux réfugiés, obligés de déménager... Comme par exemple le projet AlphaCoal, ce gigantesque projet de mine de charbon en Australie, qui d'ailleurs est resté à l'état de projet. La Société Générale a dû renoncer à son financement en 2015 suite à l'action déterminée d'Attac et des Amis de la Terre. Là, il faut renforcer les effectifs et les moyens administratifs impliqués dans la traque et les délinquants financiers. Suivons l'exemple de... Ces actes regrettables sont le fait que les faucheurs de chaises qu'il faut juger. Mais l'évasion fiscale en bande organisée. C'est pas les faucheurs de chaises qu'ils vont juger. Le soleil brille dans ma tête. Au fait, mon obsession dans sa folie.
capitaux. Number one sur la vague, je glisse 7 sur 7. Même le jour du Seigneur, je prie l'indice et les valeurs. Dans mon église, les entreprises se vendent et s'achètent à toute heure. Mon cicote, le jackpot, avant que ça pète, je le taille une bonne. Le jackpot sur la race du gagnant, il faut vaincre ou mourir. Et ils veulent que cela soit dit, que l'on reste là sans rien dire. Y'a pas ça, y'a pas ça, y'a pas ça, pas ça, y'a pas ça, y'a pas ça, y'a pas ça, y'a pas ça, pas ça, y'a 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 pas ça. Alors Brigitte pour attaque, encore une action à la BNP, encore une action pour la BNP. Alors expliquez-nous pourquoi ce que vous faites aujourd'hui. Alors aujourd'hui nous intervenons de nouveau à la BNP de Chambéry, parce que cette agence, qui est une agence privée de la BNP, pratique l'optimisation fiscale, qui est le nom officiel et policé donné à l'évasion fiscale. Donc c'est pour ça que nous sommes intervenus sur cette agence. Et nous sommes à un mois du procès de John Palais, qui était un des premiers faucheurs de chaises, une opération qui a permis de réquisitionner dans les agences bancaires plus de 200 chaises l'an dernier, en plus d'être un 21. Et donc en fait, un des premiers faucheurs de chaises donc, est convoqué le 9 janvier au palais de justice de Dax pour être jugé. C'est la BNP qui a porté plainte. Et il y a aujourd'hui en France une cinquantaine d'actions d'attaque des Amis de la Terre et d'autres associations pour protester contre l'évasion fiscale et dire que ce ne sont pas les faucheurs de chaises qu'il faut juger, c'est l'évasion fiscale en bande organisée. Qu'est-ce qu'il faut faire là pour... Qu'est-ce qu'on peut faire contre... Qu'est-ce que l'État peut faire contre ça? Eh bien, il faudrait que l'État renforce les moyens de contrôle fiscal, que les lois soient également beaucoup plus dures pour les évadés fiscaux, car c'est 60 à 80 milliards d'euros par an qui quittent la France et qui du coup ne sont pas, ne permettent pas de financer des actions sociales, climatiques, écologiques en France même. Nous avons cité pas mal d'exemples au niveau de la création de places de crèche, de la création de pistes cyclables, d'emplois climatiques, etc. Il y a énormément de choses que ces 60 à 80 milliards d'euros par an pourraient financer au lieu d'aller engraisser des personnes qui sont déjà très riches. Voilà. C'est l'engrenage, t'es pris dedans, tu vois ta dette qui s'accumule. Tu dois rembourser sur 100 ans, ça chauffe pour ton matricule. Va à la banque alimentaire, demande du blé à l'abbé Pierre. Ça accélère, c'est plus possible, ça va trop vite pour tes guiboles. T'es pris au cou, t'es pris pour cible, on te l'avait pas dit à l'école. T'as plus qu'à finir chez les verts, te saouler à la Jupiler. Les temps modernes, on se démène, on s'engraine tous à la chaîne. T'as pas la dernière machine, t'as plus de boulot, t'as plus de copine, ta vie tient même plus un fil. Va faire un tour sur la toile, te refaire un réseau social. Derrière ta cam de surveillance, tu te sens pas en sécurité. Tu reconnais plus ta douce France, y'a trop de bougnoules, y'a trop de PD. C'est pas que de la faute à Rousseau. Madame, monsieur, bonjour, je suis votre commandant de bord, l'Élise Jean-Claude. Hello, I am your commandant of the board. I am sorry, but we've got a petit problème, like we said. We're gonna s'écraser comme des merdes, hein, il faut bien le voir. Donc, I am very sorry about that. Soyez forts. Bonne chance à tous. Joyeux Noël. C'est le temps, c'est la crise. Pas de panique à bord. C'est le temps, c'est la crise. Les actionnaires, les traders et les banquiers d'abord. C'est le temps, c'est la crise. Pas de panique.
Ouais mais pour nous c'est la fête. Bonsoir pour tout le monde et tout le monde bouge la tête. C'est la débandade, alors on pousse les décibels. En trois tours de manivelle, on fait danser la ribambelle. Le monde est une gigantesque tour de Babel. Vu de là-haut, c'est sûr que la vie est tellement plus belle. Allez, terminus, tout le monde descend, tout le monde dans la mouise. Rendez-vous au troisième sous-sol, par l'entrée des artistes. Les funambules, noctambules, équilibristes. Transformistes, anticonformistes, entre sur la piste. Acrobates totalement déséquilibrés. Quand la bourse dégringole, nous on travaille sans filer. Échapperait-il à cette loi ? C'était Laurence Parizeau, présidente du MEDEF. On te prend, on t'essore, on te jette, on te vire. On te prend, on t'essore, on te jette, on te vire. Tu travailles pour des miettes, en plus il faut sourire. Tu travailles pour des miettes, en plus il faut sourire. Et ils veulent que cela soit pire. Que l'on reste là sans rien dire. Y'a basta, y'a basta, y'a basta, basta, y'a. La sécu, la retraite, bientôt des souvenirs. La sécu, la retraite, bientôt des souvenirs. Les loyers, c'est la fête, mais pas pour ta tirelire. Les loyers, c'est la fête, mais pas pour ta tirelire. Et ils veulent que cela soit pire. Que l'on reste là sans rien dire. Y'a pas ça, y'a pas ça, y'a pas ça, basta, y'a. Les matraques disent de bien se tenir. Les télé, les matraques disent de bien se tenir. C'est la peur qui remplace les rêves d'avenir. C'est la peur qui remplace les rêves d'avenir. Et ils veulent que cela soit pire. Que l'on reste là sans rien dire. Y'a pas ça, y'a pas ça, y'a pas ça, pas ça, y'a. Y'a pas ça, y'a pas ça, y'a pas ça. On te filme, on surveille tes soupirs. On te fiche, on te filme, on surveille tes soupirs. Orwell dans sa tombe n'a pas fini de rire. Orwell dans sa tombe n'a pas fini de rire. Et ils veulent que cela soit pire. Que l'on reste là sans rien dire. Y'a pas ça, y'a pas ça, y'a pas ça, pas ça, y'a. Y'a pas ça, y'a pas ça, y'a pas ça. Sans papier, sans logement, juste bon à offrir. Sans papier, sans logement, juste bon à offrir. T'es de bras ta sueur pour nos villes à construire. T'es de bras ta sueur pour nos villes à construire. Et ils veulent que cela soit pire. Que l'on reste là sans rien dire. Y'a pas ça, y'a pas ça, y'a pas ça, basta, y'a. Y'a pas ça, y'a pas ça, y'a pas ça. Mort ton voisin si tu veux réussir. Mort ton voisin si tu veux réussir. C'est la rage du gagnant, il faut vaincre ou mourir. C'est la rage du gagnant, il faut vaincre ou mourir. Et ils veulent